René, t'as commencé à chanter devant un public la première fois, t'avais quel âge? Oh, j'avais, ben là, chanter à des mariages, est-ce que c'est ça que tu veux? Non, après. Oh, après, tu veux dire, ben, après mon premier long jeu, professionnellement, là. Oh, professionnellement, ça a commencé par un concours d'amateur, si je me trompe pas. Ça a commencé par un concours d'amateur, c'est ça, à Québec, oui. C'était à Télé 4, et puis y avait trois parties à gagner, mais avant ça, ma mère a dit, René, tu devrais y aller, puis j'ai dit... Oh, ben, je sais pas. Peut-être que je vais y aller. Mon père disait, non, tu iras pas là, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Parce qu'il disait, oh, il va, s'il passe, il va lui faire de la peine. Puis tout. J'ai dit, ben, non, j'ai dit, je vais y aller. J'ai dit, moi, je vais avoir du plaisir. Fait que je suis allé. Te souviens-tu ce que tu avais chanté? Oui, j'avais chanté L'oiseau et j'avais chanté La sirène aux longs cheveux. Ah ouais. Bon. Ouais. Et puis, en tout cas, il y avait trois parties, là. Et puis, j'ai gagné trois parties. Puis, après ça, ben, le prix, c'était un trophée avec 25 piastres. Puis, oh oui, mais c'est 25 piastres, pour toi, c'était quelque chose dans ce temps-là. Je comprends. Hein, ben, j'étais tout énervé. Tu comprends? Puis, après ça, c'était 10 émissions à un réseau de télévision à Montréal. Oui. Alors, là, ben, j'ai gagné, tu comprends? Donc, non, tu viens à Montréal. Ben, c'est ça. Mais là, Montréal, c'est un grand voyage. Hey, on était assez énervés. On a pris l'autobus. En tout cas, énervé encore. La toilette en arrière de l'autobus, là, ben, chalet d'âme, j'avais même pas envie. Je voulais avoir ma staffette. C'est vrai. Oui. Non, mais c'est pas ça, parce que j'étais assez petit, hein? J'ai sorti, j'ai eu peur de tomber dans le trou. Alors, je suis arrivé à... Mais c'était ton premier voyage à Montréal, en fait, là, par affaire. Là. C'était par affaire. Non, je parle pas des toilettes. Ah non, OK. Je parle du voyage. Okay. On est sorti des toilettes, là. Oui, OK. On parle du voyage. Okay. Alors, en arrivant ici à Montréal, t'as fait tes émissions de télévision. C'est ça, j'ai fait Madame et Servie dans le temps. Oui.